Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Péracien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8, le retour de notre aventure 100% sur Captain Toad Treasure Tracker. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé les bonus temps dans lequel on s'était arrêté parce qu'on était bloqué malheureusement à un bonus temps. Et donc, du coup, ben voilà, on avait débloqué le bonus temps. Alors, le mode VR, hein, évidemment, on le fera, ne vous inquiétez pas. Attendez, le mode VR, retirer la console de l'ascenseur d'accueil. En fait, j'en vois pas l'intérêt du coup. Quoi ? Non. Enfin, on le fera quand je pourrai le faire. Mais bon, pour le moment, on va quand même se concentrer sur la suite. Parce que le problème, c'est qu'il nous manque encore les bonus temps. On s'était arrêté ici. Alors, meilleur temps, 71. L'objectif de temps est à 67. C'est ça qui est assez difficile. Sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas touché au jeu. Donc, du coup, je me souviens plus trop des techniques et tout ça. Donc, on va tenter. Mais voilà, on avait déjà obtenu les bonus temps des 10 premiers niveaux. Voilà, donc on avait obtenu les bonus temps des 10 premiers niveaux, je peux vous montrer, voilà. Donc on va tenter de... Ben on va tenter, hein, il n'y a pas trop le choix en même temps. Donc la suite est des bonus temps, et on verra du coup ce que cela nous donne. Hein. On verra ce que cela nous donne. Donc c'est parti. Je crois que j'ai même perdu du temps. Parti. En fait, il faut vraiment pas s'arrêter, quoi. Et on y va, on monte. On perd pas de temps. Là, en fait, il faut speedrunner. Il faut vraiment speedrunner. Donc, j'espère l'avoir, honnêtement, j'espère l'avoir, mais ça va être assez difficile. Allez, c'est parti, on y va. Ah oui, c'est vrai que là, le sol va s'effondrer un petit peu. Putain, c'est pas grave, on s'en fout. Oh putain, on est en train de perdre du temps parce que j'ai loupé l'échelle. Oh, je crois pas l'avoir, hein. Je préfère vous dire, je crois pas l'avoir. Putain, en plus, il veut même pas monter, ce connard. Ah! Alors, je sais pas si je l'ai, hein. Je sais pas si la cinématique compte dans le temps ou quoi. Vite! Et nous l'avons eu. Alors 67, est-ce que on a le bonus temps? 67 secondes en haut à droite. On va voir, hein, on va voir. Je peux pas savoir. Et nous avons le meilleur temps. Putain, alors pourquoi j'ai galéré comme un chien? Bon, bah écoutez, on va continuer nos bonus temps. Alors, l'objectif temps est à 9 secondes. Et on avait fait 108 secondes, enfin, parce que, évidemment, on avait fait le niveau pour la première fois. B des piranhas rampantes. Alors, 9 secondes. Alors, déjà, il faut se souvenir du niveau. Donc, d'abord, on va s'en souvenir comment on peut faire 9 secondes pour atterrir en haut. Il faut courir. Comment je pourrais faire 9 secondes? Bah, attendez. C'est pas ça? Bah, c'est easy, en fait. Si, c'est easy. Bon, du coup, on va tenter de recommencer, hein. Le stage, voilà, on va recommencer le stage. C'est parti! 9 secondes, ça va être chaud, non? Bon, on est à 10 secondes. Bon, ben... Bah, alors, il faut vraiment prendre des raccourcis de dingue. Hein, c'est abusé. C'est possible. Hein, donc, on va le refaire, hein, y a pas le choix. Hein. Ah! Bon, pourquoi pas le faire, écoutez. La moisson des pièces, alors c'est comme dans Mario 3D World, là, les petits jukebox. Enfin, jukebox, qu'est-ce que je dis? Je dis des conneries, pas jukebox, au contraire, c'est des maisons, c'est des machines à sous, qu'est-ce que... Voilà. Hop. Voilà, en fait, je m'en souviens plus, voilà. Merci. Tac. Tac. Voilà. Bon, c'est bien, ça fait des pièces. Et c'est parti. On va tenter de faire celle-là. Hein. Le meilleur temps. Alors le meilleur, évidemment, ça va pas être des épisodes de fou. Parce que du coup, c'est pas des épisodes qui fait avancer le scénario. Mais bon, on va quand même le tenter. Donc là, en fait, il faut prendre des trucs ultra serrés. 8, 9. On s'en bat les couilles. Oui, c'est bon, là. Voilà, 9 secondes. C'est bon, là.
c'est bon. Tant mieux. Stage terminé. Sachant qu'il y aura normalement deux épisodes hein, cette semaine. Normalement, je dis bien, attendez, excusez-moi, ouais. On aura deux épisodes, t'es bon, ça va, c'est pas non plus très grave. Alors dès qu'on a la petite étoile à côté, ça veut dire que c'est bon au cas où, hein, si vous ne le savez pas. Ici, l'objectif temps est de 17 secondes. Déjà, faut s'en souvenir comment... À quoi ressemblent les niveaux. Vacances d'été, ok. Il est où? Je sais même pas où est l'étoile déjà, pour commencer. Ah d'accord, elle est là. Putain. Je m'en souviens même plus comment y arriver. 17 secondes, donc ça a l'air d'être assez cosy en fait. Aïe, mais non. Comment on pourrait faire 17 secondes? Alors j'imagine... Alors, peut-être le tuyau rouge. On fait ça. Ah d'accord, oh bah ça va, c'est easy. En fait, faut aller au tuyau rouge, faire ça et redescendre. Oh, ça va, c'est easy, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a trouvé. C'est parti. Ah merde, par contre, on s'est trompé de côté. Ouais, parce qu'en fait, une seconde de perdu, c'est fini quoi. C'est bon, on s'en bat les couilles. C'est parti. Allez, go. Putain. C'est bon, 17 secondes. Putain, c'est à chaque fois pile le temps hein, qu'il nous faut. C'est dingue. Alors, je pense qu'il est peut-être possible de faire 16 secondes ou même 15 en cassant des secondes, en prenant très court et tout, mais voilà, ça me satisfait. On a fait le meilleur temps. Alors, du coup, meilleur temps, 23... Ok, 19 secondes, le meilleur temps. 19 secondes, donc écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, il faut se souvenir où est l'étoile. Ok, d'accord, l'étoile est là. On peut pas cheat en fait. Bah attendez, mais c'est easy en fait. On fait ça. Voilà. Et après, il suffit juste de remonter. Ouais, en fait, c'est easy quoi. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Allez, go, on y va. On va tenter. Merci. Merci. Bon, ça va. On a large le meilleur temps. On a tellement large le meilleur temps. Bon, c'est bien, ça nous permet de finir au moins ce premier bouquin à 100%. Ok. Regardez, 19 secondes, on est à 16 secondes. On est des boss. Du coup, retrait secrète au Far West. Alors, 40 secondes le meilleur temps et 183, on avait fait. Ah oui, c'est un niveau assez long, c'est chiant. Retraite secrète de Far West. C'est un niveau assez long et assez chiant. Donc là, il faut s'en souvenir. Donc je vais déjà même le faire, vous voyez, au pif comme ça, hein, en bâclant le truc. Ok. Merci. À mon avis, c'est ça qui fait perdre. Il faut arriver pile à temps au niveau de la plateforme. C'est sûrement ça. Ok. Bah en fait, c'est ça le problème. En fait, je m'en souviens même plus comment y arriver. Enfin, sérieusement, elle est là? Et faire tout le tour, elle est là? Non, mais c'est une blague. On va jamais y être, en fait. Ça va être impossible. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Alors il faut s'en souvenir, mais speedrun, c'est parti. Ah, il faut toujours se conserver en étant dans cet état. Allez, c'est bon, on est arrivé. On a déjà un cycle d'avance. Oh putain, ça je m'en souviens jamais par contre. Hein. C'est parti, c'est parti. Ça va être chaud. Oh con, ça va être... Oh mais en plus on perd du temps comme ça. Bah ça va être ultra chaud en fait.
C'est possible, mais il faut pas perdre de temps, quoi. Oh, c'est chaud, 43 secondes. Oh, c'est dingue. Ok. Ok. Putain, mais vas-y. Traîne pas, quoi. J'ai l'impression qu'il faut y aller encore un cycle plus tôt. Bon, ça, il faut s'en souvenir, faire ça, ça, ça. Allez, 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 s'il te plaît. Putain, par contre, là, on perd du temps à chaque fois. Oh là là, c'est dingue, on perd à chaque fois du temps ici. Je me demande si activer ça, ça sert vraiment à grand chose en fait. Ça me sert à rien, je sais pas pourquoi j'active ça en fait. Non, ça m'amène à rien, je sais pas pourquoi j'active ça. Non, en fait, ça m'amène à rien. C'est moi, en fait, il faut pas que j'active les trucs en haut. Je sais pas pourquoi j'active les trucs en haut, mais faut pas que je les active en fait. Ça m'amène réellement à rien quoi. C'est parti. Voilà. Putain, là, j'aurais pu avoir le cycle, mais. Non, c'est pas comme ça. On a perdu un temps parce que je me suis dit peut-être ça va aller bien, mais finalement on a perdu beaucoup de temps. Là, on s'en bat les couilles. C'est ça qui me fait perdre énormément de temps, quoi. On a après 10 secondes pour y arriver en haut, donc. Oh putain, on est à 44, il nous manque une seconde. Oh, la haine. Je suis désolé les amis, je me concentre, mais oh là là, la haine. Ah non, c'est 40 secondes le meilleur temps. Ah d'accord, vraiment, il faut vraiment bâcler, enfin bâcler. Faut vraiment torcher le truc, c'est parti. C'est bon. C'est parti. Oh putain, s'il te plaît. Pas ça, s'il te plaît. En fait, j'aimerais bien réussir à aller dans le trou. Vous voyez, comme ça là, mais c'est impossible, ça fait perdre un temps monstrueux ça. Oh là là, putain. Oh là là, putain. C'est dingue. Oh là 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 là, putain. Ouais, on l'aura jamais, hein. Je vous le dis, on l'aura jamais lui. Parce que le problème, c'est que Toad, il fait pas ce que j'y demande. Oh, 40 secondes. Oh, on l'a, les amis. Bon, alors je sais pas s'il compte les centièmes de seconde ou 40-40. Bon, ça va, on a la petite étoile donc ça veut dire c'est compté. Oh putain, c'est très chaud. Hein. Allez, rué. Alors 43 en objectif temps et meilleur temps 54%. Enfin, 54%, bien sûr, 54. Rué sur la Driglingol Alley. C'est parti. On s'en bat les couilles. En fait, le problème c'est qu'il faut les tenir en l'air. Vous voyez? Faire ça en fait. C'est parti. Donc là, on va les tenir en l'air, ceux-là. Non, j'ai dit le tenir en l'air. Oh, ça passe pas. Oh, c'est ultra chaud par contre. C'est ultra chaud. Parce que le problème, c'est que. Oh là là. Voilà, en fait, c'est ça qui me fait perdre énormément de temps. Putain, mais vas-y. Oh là là, mais oh là là, c'est incroyable. En fait, il faut spammer en fait. Oh là, par contre, c'est ultra abusé. Non. Non, 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 non. C'est bon, on l'a eu. Putain, là, il faut speedrunner. Comme Jaja. Oh, ok. Non commentaire. Non commentary. Non comment. Oh, on l'a. Putain. Oh, c'est. On croirait pas comme ça, mais c'est très chaud comme niveau. Hein. C'est très, très chaud. Putain, alors là, le truc, il faut jongler en travers les trucs. Oh, on a même le meilleur temps de 3 secondes. Allez, bon, ben, on va le faire, ça permet de gagner un petit peu de vie, hein. Écoutez. Et c'est parti. Ah oui, pourquoi pas. Voilà, on l'a fait lui, on va maintenant faire lui à droite. Tac. Merci. Ok. Tac. Hop. Bon, par contre, c'est pas fameux. En fait, faut toujours partir à gauche, en fait. C'est vraiment pas fameux comme tirage avec ce truc. Allez, go. On avance. Donc, du coup, la ruée. Maintenant, porte toquée au manoir hanté. 32 secondes et on avait fait 83. Ah, alors, il faut s'en souvenir. Hein.
Donc on va le faire la première fois de façon logique et après on fera de façon illogique. Oh, d'accord, ça c'est bâtard ça. J'avais oublié ce léger détail. Je m'en souviens même plus. Oh là là. Oh putain. Ok, d'accord. En fait, faut le ranger. Voilà, faut le ranger. Aïe aïe aïe, j'ai mal au cul après. Oh, j'ai compris. Ça. Après on va là. Et là on s'en bat les couilles. Ok. Wow. Ok, ça va être un niveau assez chaud parce qu'il faut vraiment tout s'en souvenir. 32 secondes. Alors là, parce qu'il faut ranger le truc, aller à droite, aller à gauche. Je croyais pas comme ça, mais c'est vraiment un niveau de bâtard. Hop. C'est parti. Ça fait perdre un temps de chien. Maintenant, on range la case. Voilà. Quoi? Ah non, parce que je me suis trompé de porte. C'est celle-là qu'il faut prendre. Oh là là, ben on l'aura pas, hein, je vous le dis. C'est triste, mais c'est comme ça. Là, on s'en bat les couilles. Ouais, on l'aura pas de 5 secondes. Hein. Ouais, on va d'abord faire là. Au moins, on complète. On se dit qu'on a fait quand même ce meilleur temps là. Donc là, il faut tenter de s'améliorer de 4 secondes. Il faut que je prenne la porte en bas, pas la porte du bloc en fait. Parce que du coup, en prenant la porte du bloc, ça nous amène en haut. C'est logique. C'est logique. Sorti. Ta mère. Oh, ta mère. C'est pas gentil ça. Mais. Oh. Aïe, 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 aïe. C'est pas gentil. Merci. Donc là. On range. Voilà. Maintenant, on prend vraiment très, vraiment sur le côté. Autant économiser du temps. C'est bon, on l'a. Alors là, sur ma vie, si on l'a pas. Oh, si on l'a, ça va. On l'a même de très large. On l'a très très large. De 6 secondes même. On l'a même de 6 secondes. Mais bon, tant mieux. Stage terminé. Et il nous manque plus que 3 derniers niveaux normalement, ou 2, je sais plus. Blizzard sur l'étoile express, alors on a bien. Donc 65 secondes, on a fait 72 en termes de meilleur temps. Ok, Blizzard sur l'étoile express. C'est parti. What? Mais je suis où là? Oh d'accord, j'ai vraiment perdu du temps là-dessus. Déjà, il faut s'en souvenir, donc en fait, je fais ça, mais en fait, il faut vraiment s'en souvenir. Alors, par contre, là, il faut faire attention de pas. On s'en bat les couilles, littéralement. Non, là, ce côté. Putain, mais. S'il te plaît! Move! Think! Comme si j'avais le temps, quoi. Maintenant, on passe à l'étage au-dessous. Presque, en tout cas. Bon, par contre, ça va être très chaud, hein. Je veux pas dire, mais. On est déjà 30 secondes alors qu'on est à la moitié du terrain. Hein, mais on va le faire quand même une première fois pour évaluer les distances, on va dire, évaluer la situation. Ok. Oh là là, je comprends rien. Oh, je comprends rien du tout. Ah d'accord, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ouais, donc on l'aura pas, je vous le dis clairement. Ah, on l'aura pas. Ah, on l'aura pas. En fait, il faut réussir à foncer et ne pas s'arrêter. Toujours la vue du haut, c'est le meilleur. S'il te plaît. On se fera toucher en bas. Putain. Oh là là, on perd du temps comme ça. Par contre, toi, non. Toi, s'il te plaît. Oh là là, bon, c'est pas grave. Tant mieux si on se fait toucher là. Putain, ça me casse les couilles. On peut pas skipper là? Non, on peut pas skipper ici. Bon bah on a perdu du temps. Ouh, ça va être chaud. Attendez. Voir le nombre de secondes. J'ai bien mémorisé. 65.
65. Donc il faut que j'arrive à 32 devant le train. 32 devant le train. Ça va être chaud ça. Je vous garantis rien, mais ça va être chaud. Ouais, mais le problème c'est qu'on n'a pas le choix. Hein. Sinon, hop. Oh là là. Ok, I'm God. On reste concentré, les amis. On perd pas le fil, on perd pas le nord. Ça me bat les couilles, ça. Bon, ça va. Ça peut le faire. Si on gère bien, ça peut. C'est une connerie de faire ça. Ça peut le faire. Oh là là, putain. Ok. Allez me demander comment j'ai réussi à esquiver ça. Putain, non. Putain. Non. Ça. Putain, perdre 10 secondes là-dessus. Allez. Oh là là. C'est bon, on l'a. Pouah, c'est chaud ces niveaux. Oh, en plus, on était à 20 minutes. Oh, il faut s'arrêter, les amis. Bon. Oh. What is that? Ah, le boss. Ah oui. Ah putain, attendez. Le dernier niveau, c'est le boss? Je m'en souviens même plus. Parce que si c'est le boss, on l'enchaîne maintenant. Et puis, comme ça, on finit ce bouquin définitivement, en fait. Hein. Ah oui, c'est vraiment le dernier niveau. 246, 127 en meilleur temps. On le fait. Alors, il faut s'en souvenir, on le fait. Ah oui, parce que comme ça, on attaque la fois prochaine pour le nouveau livre. Ah oui, les amis, on va t'en faire les choses bien. Hein. Alors, il faut s'en souvenir comment le battre. Hein. Il faut vraiment s'en souvenir de comment le battre, sachant que ça fait tellement longtemps. C'est très la tour de Resident Evil 0. Enfin, ça fait très rappeler l'atmosphère de Resident Evil 0 ici. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment pour moi la même atmosphère. Je sais pas pourquoi. Quand on affronte la giga chauve-souris à la con là. Oh, c'est pas gentil ça. Oh putain. Allez, s'il vous plaît. En fait, je sais plus comment le battre en fait. Je sais pas ce que ça fait à ce qu'il faut aller où. Ok, il fallait aller là en premier. Donc, ok, au moins je le saurai. Est-ce que c'est utile d'activer ça? Oui, c'est franchement utile, mais on se fait défoncer. Ok, donc il faut aller derrière le truc. Derrière le truc, ce côté à gauche là. Le problème, c'est qu'il va mettre du vent. Donc, est-ce qu'on peut le bloquer à votre avis? Non, on peut pas le bloquer. Non. Non. Oh, I'm God. Ok, sorti. On y va. Attention. Oui. Merde. Allez. Là. Oh là là. Oh non. Ah oui. Allez. Eh, il pousse même pas les blocs. Attendez, mais je fais comment là? Ah, ok, d'accord. Putain, je sais même plus comment le battre. Je sais même plus comment y arriver. Ce boss de merde. En plus, je suis pas rapide, donc ça me fait chier. Allez, j'ai à peu près une minute pour le battre. Sachant que je crois qu'il faut lui renvoyer ses trucs à la con là. Allez, s'il te plaît. Il faut le faire. Normalement, il faut le renvoyer ses trucs à la con. Tac. Merde! Comme si j'avais le temps. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Première fois sur une sur trois. En 40 secondes, ça va être chaud, hein, je vous le dis. Allez, fais apparaître les trucs. Putain, on s'en fout. Allez, il nous manque 27 secondes, les amis. Il nous manque 27 secondes. Ça va être ultra chaud, mais il nous manque 27 secondes. Oh là là, en plus, si le temps là est... si le temps là est gaspillé... On va devoir quand même le réussir une première fois au moins pour s'attendre à ce qu'on sait. Ouais, parce que là, on l'aura pas. Hein. Je préfère vous avertir. On l'aura pas de quelques secondes, mais on l'aura pas. Sorti.
Voilà, c'était la dernière. Donc c'est 136 secondes. On l'a à 136 secondes. Alors c'est 127 qu'il faut l'avoir. Donc c'est possible, c'est vraiment possible parce qu'on a perdu 10 secondes sur l'échelle à la con. Et on s'est fait toucher, enfin on s'est fait toucher, donc il s'est téléporté, donc on a perdu au moins 3 secondes. Donc on a perdu un total de peut-être 15-20 secondes, au moins ici. Ah mais par contre ça s'est compté. Oh je te fous de ma gueule. Oh non c'est pas gentil ça. Ouais donc ça aussi ça fait perdre du temps. Wow. Ouais donc on va jamais y arriver en fait. Vous êtes en train de me dire qu'on va jamais y arriver. Allez parti. Bon on est à 5:43. Déjà c'est le meilleur temps qu'on peut enregistrer nous personnellement. Et on va tenter le meilleur temps tout simplement. Fin. Oh bien sûr mon cul ouais fin bien sûr. Comme on y croit. Alors, 127, ok. Allez, on le refait. C'est possible, hein, c'est possible. Il faut juste pas traîner. Et courir tout le temps. Il faut courir tout le temps. Donc, en fait, ça sert à rien de tenter de le toucher. Ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. Ok. Mais non. S'il te plaît. Non, pas ce côté. Pas ce côté. Oh là là, mais quel manque de peau. En fait, ça nous fait gaspiller énormément de temps, quoi. Allez, go. Ah, ça va être ultra chaud, je vous le dis. Ouais, on a une minute pour le bas. On a pu au moins économiser 2 secondes. Ouais, s'il te plaît. Merci. Ok, première fois. On va tenter. Est-ce qu'on peut prendre ce deuxième? Oui, on peut en prendre une deuxième. Oh, je suis dégoûté. On pouvait en prendre une deuxième, je suis dégoûté les amis. Oh, on pouvait en prendre une deuxième. Oh, si on aurait attendu, on aurait pu lui faire un truc de bien. Attention. Oh, je suis désolé, je suis dégoûté les amis. Deuxième. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, on l'aura pas. Hein. On l'aura pas, je vous le dis. Aïe, aïe, aïe. Non, on l'aura pas. Pff, ouah, c'est chaud. Ah, par contre, en recommençant, on est là. C'est pas cheaté. Ah non, mais on a plus le temps, là. On a plus le temps, donc on est obligé de quitter. Oh, il faut tout faire d'une traite. Oh, ça va être impossible. Oh, ça va être impossible ce bonus temps. Il faut. Mais le problème, c'est la manipulation. Déjà, lui, il nous fait perdre 5-10 secondes avec cette putain d'échelle en haut, là, à la con. Il faut qu'il tente de souffler. Je sais pas comment on pourrait le manipuler pour qu'il souffle. À la direction que l'on souhaite. Oh là là, putain. T'es sérieux? Ouais, il fait perdre un temps de chien. Est-ce que c'est vraiment aléatoire? Je n'en sais même pas. Oula, hey, tu peux pas. Tu peux pas en fait, tu peux pas. Je suis désolé les amis, mais les bonus temps, c'est pas un truc qui est notre tasse de thé. Hein. Vraiment, pour faire le sale à 100%, c'est horrible. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment trop aléatoire, hein. Et de deux, ben en fait, j'ai pas trop compris le système, en fait. On va tenter de rester là. Peut-être, est-ce que ça le manipule en étant là? Même pas.
Donc on est vraiment obligé de faire ça en fait. C'est ça le pire. Attendez. Oh là là, on gaspille trop de temps les gens. On gaspille trop de temps. En fait, quand on est, il faut réussir à avoir au moins deux trucs d'avance quoi. Deux légumes à lui lancer de, enfin deux navets à lui lancer dessus en fait. Là, il va faire le truc des navets, donc il faut se déplacer de partout. Là, l'astuce c'est vraiment de se déplacer partout, comme ça au moins il laisse un maximum de navets. Ça nous en fait un. Deuxième. Oh, putain, quel con. Deuxième. Allez, il nous en manque une dernière. Une dernière. Ça peut le faire si on a une bonne RNG. Mais il faut avoir une bonne RNG. Chose que je peux pas vous promettre. Hein. Parce que là, il va faire le vent. Non, ça va. Ok. Bah, on s'en fout. Oh putain. Oh la RNG de merde. C'est bon, voilà. Alors, il nous manque 11 secondes. Le temps de sortir Toadette. Non, peut-être 3 secondes. Donc, on sera à 119. Et le temps d'aller récupérer l'étoile, 120 ou 121. Donc là, il faut instantanément réagir quand Toadette est sur le sol. Putain, c'est chaud quand même. Hein. C'est très très chaud. C'est parti. Allez, on y va. 119. On est à 119, les amis. Il nous manque 4 secondes. 4 secondes. Aïe. Ça va le faire et après on arrête l'épisode là. C'est bon, on l'a. 121. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, mon Dieu. Ah oui, là, on peut dire qu'on l'a fini là. Et du coup, les petits crédits. Alors, ouais, bon, c'est bon. Et du coup, normalement, nous avons fini ce livre. Enfin, en tout cas, ce bouquin à 100%. Ça servira plus à rien d'y revenir, tout simplement. Donc, voilà, au moins c'est fait. Ah, oh, bah, attendez. Autant faire le moisson des pièces. C'est bien, nous avons tous les bonus temps. Ah, par contre, là, je vous le dis, on va aller à gauche. Hein, parce que c'est vraiment le meilleur truc à aller à gauche. Le truc avec le marteau. Hop. Tac. Merci. Bon, bah, 286. Bon, bah, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Numéro 8 de notre aventure 100% sur Captain Toad Treasure Tracker. Donc les amis, on peut voir que du coup jusqu'à la première page du bouquin numéro 1, donc on a le bonus temps des premières quêtes au col Cueillette, on a le bonus temps du temple Tournin des passeurs de passera point, on a le meilleur temps de Tactic Blocks Tactique, on a le meilleur temps de Plateau Chapigroc, on a le meilleur temps de Palais de la Double Cerise, on a le meilleur temps de Bourg Mascas, on a le meilleur temps de Exploration à la Bibliothèque, on a le meilleur temps de Jet de Navet en Wagonnet, on a le meilleur temps Exploration au Bastion Bilbowl, on a le meilleur temps de Maître du Mont Soufflardant, on a le meilleur temps de Baie des Piranhas Rampantes, on a le meilleur temps de Vacances d'été dans l'eau salée, on a encore le meilleur temps dans Pluie de Navet sur la Jungle, on a le meilleur temps dans le Retraite Secrète au Far West, on a le meilleur temps à la ruée sur la dégringole allée. On a le meilleur temps sur Porte Toquée au manoir hanté. On a le meilleur temps sur Blizzard sur l'étoile express. On a le meilleur temps sur le fort de Wingo. Donc nous avons fini le premier bouquin à 100% les amis. Donc vous pouvez voir que du coup quelque chose a changé. Alors je crois que c'est les petites étoiles. Donc on a vraiment toutes les étoiles sur ce bouquin. On a tout fait. Voilà. Ce bouquin est overbooké. Non, vraiment, ce bouquin, sans jeu de mots, ce bouquin est fini. On a réussi le petit 100% de cet premier épisode. Donc, du coup, l'épisode prochain, dans l'épisode numéro
9, on attaquera tout simplement le deuxième bouquin. Donc les premiers niveaux du deuxième bouquin. Donc soyez vraiment très à l'affût pour ce petit bouquin. Honnêtement, je me languis de le faire. Donc soyez vraiment au rendez-vous, c'est très important. Je vous en remercie encore tout simplement de me suivre encore pour ce let's play. J'espère que le retour de ce let's play vous plaira. Vraiment, moi je prends mon pied, hein, honnêtement, je pense que vous le voyez, je prends mon pied pour ce Captain Toad Treasure Tracker. Et donc promis, nous continuerons dans l'épisode prochain, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous divertir. Donc l'épisode prochain qui apparaît cette semaine, donc normalement je crois que ça sera jeudi ou vendredi. Ça sera samedi, j'ai rien dit. Ça sera samedi pour l'épisode numéro 9. Donc vraiment, soyez à l'affût de cet épisode 9 qui permettra de continuer ce petit bouquin. Donc d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.